Et bonjour à toutes et à tous, c'est Munchy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode sur Baldur's Gate 3 en compagnie de Gail, Vincent, Ombrecoeur et Astarion. Et on est dans ce qu'on appelle la part du diable, donc c'est ici qu'on va peut-être essayer de voir, pour en savoir plus sur où se situe le marteau d'Orpheus, afin de pouvoir le libérer potentiellement, hein, trouver Elslick le diaboliste. Donc c'est ça qui va pouvoir nous mettre sur la voie. Et épisode précédent, qu'est-ce qui s'est passé? On est retourné au tabernacle à côté de Tempête et on a... envoyer Gail parler à Mistra, donc il lui a parlé, elle nous propose un deal en fait pour lui apporter la couronne en fait quand on aura affronté l'absolu, enfin le cerveau là de merde, à voir ce qu'on fait si on essaie de l'utiliser pour nous, si on la détruit, si on lui amène à elle, enfin il y aura tellement de possibilités je pense à la fin pour le final, que ça va être le bordel. Après on a exploré un peu au sud, on a été au cimetière, on a exploré quelques maisons, on a vu qu'il y avait Damon également, on a été dans la tombe de Gorion également, Gorion qui est... Protagoniste dans le Baldur's Gate 1, le premier protagoniste qu'on rencontre, hein, Gorion, c'est notre père adoptif. Voilà, on a été voir l'apothicaire, on a été dans le sous-sol, il y avait carrément un truc qui ressemblait au tréfonds obscur, enfin c'était incroyable. Chaque maison, chaque truc, en fait, il y a un secret à faire, enfin c'est un travail de titan, quoi. Maintenant, on va voir à la part du diable ce qu'on peut essayer de gratter, quoi, du coup. Let's go. C'est de monter, du coup. Ah. C'est un piège. Il va pas dedans, tête de nœud. Il reste pas là. Il reste là-dedans. Il reste dedans comme un sgeg, putain. Et c'est un piège en fait. Je peux lui parler. J'ai pas ce qu'il faut en fait. Alors je commence à peine la vidéo, je gueule, ça y est quoi, parce que l'autre connard il passe dans le truc, ça me rend fou, je vous jure. Alors, on notera que Ombrecoeur a pris des dégâts, on va charger la partie, ça m'énerve. Là ça me saoule, c'est bon quoi, c'est bon. Le pathfinding de merde là, à un moment ça suffit quoi. Pourquoi elle s'éloigne pas, du coup je dois faire des trucs, des cabrioles avec mon clavier, là ça m'énerve quoi. Parce qu'en plus c'est mal branlé, oh là là, putain. Bon, on va faire ça parce que sinon ils vont tous aller dedans comme des connards, je connais la chanson. C'est quoi ça? Tu veux de l'eau? Attends, j'ai encore de l'eau ou pas au moins, moi? Je sais même plus si j'ai de l'eau. Allez putain, mais j'ai tellement de merdier là dans mon inventaire que ça me casse les couilles, je peux même pas voir si j'ai de l'eau. Putain. C'est réel quoi. C'est bon, j'ai désactivé le piège, ok merci. D'accord. Bon, s'il y a des petits pièges comme ça, ça va être chiant. Hein. Il se passe quoi là derrière? C'est quoi ce merdier? Je suis pas censé être là, on va faire gaffe hein. Time to press ahead. Chambre d'Elsic. Journal intime d'Elsic, ok. Apprendre un truc intéressant, non? Top suit après entrechoc, maman. Va bien. Il nous a rien appris, le con. Y'a quoi dans le coffre? C'est fermé, vous me cassez les couilles. Je pensais que c'était ouvert. Pour une fois, hein. Allez, crochet que je craque, quoi. C'est n'importe quoi. Hein. Marbre infernal. Genuinely infernal. So much for curious and travel attack. Ouais hein. Qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Peut-être pour Karlak. La tispousse. C'est fermé. Bah oui, comme d'hab. Hein. Là ça commence à me gonfler que tout soit fermé, là ça me casse les couilles quoi. C'est chiant hein. That might be worth a look. Masque de perception des âmes. Détection de pensée, vous bénéficiez
T'as un bonus de plus de jet d'attaque que l'initiative au test de perception. C'est... Il est ouf le casque là, c'est quoi ce délire? Dès qu'ils sont de pensée, sinon je peux plus mettre invisible, bon c'est pas très grave en vrai. Pièce de mammon. On prend. Attendez, je vais peut-être mettre le casque là, ça a l'air incroyable hein. Putain, what the fuck, par contre c'est dégueulasse hein. Oh, c'est vraiment dégueulasse. Et j'ai détection de pensée quoi. Allez, on va remonter ta belle figure, Astarion. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Ok, donc y'a quoi sous cette planche? Ah. Ici que je commence à comprendre pourquoi on vous appelle le crocheteur de maman. La crocheteuse de maman. Ok. On n'a pas pris plus, hein. Peut-être aller au sous-sol, ouais. C'est encore fermé, j'ai envie de canner. Allez, va crocheter. Diamant. Bien joué. Ok, en or, on va prendre. Peut-être dû commencer par là en fait. Peut-être le prendre le journal en fait, je vais peut-être le prendre. Vous savez quoi? Voler. Et quoi là-bas? Arme infernale, non, il n'y a rien d'autre. Ok, bah on se casse hein. Peut-être aller au sous-sol du coup maintenant. Allez, on descend. L'attraper ici, ok. Très bien. Bon savoir, hein. Attention à l'autre là. C'est fermé mais j'en ai plein le huc. Hein. Fait quoi? Ah, ça a débloqué la trappe, ok. C'est bon, elle m'a pas vu. Ok, tout le monde accroupi. Pourquoi le levier? Pourquoi? Allez, encore un crochet à cramer. J'ai cramé au moins 10 crochets là, sur le début de cet épisode, c'est horrible. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant quoi. Tous les coffres maintenant sont systématiquement fermés, c'est insupportable en vrai. Moi ça me gonfle hein, perso. Oh là là là. Bon il est où ce con là? Corne de monstre. Imitation horns, but barely distinguishable from the real thing. Gale. Tu rates ton jet d'arcane, Gale, t'es sérieux? Mais putain, quel sac à merde, hein. Et après, tu veux qu'on te donne la couronne? Va te faire foutre, hein. À un moment donné, c'est bon, quoi. Putain. Ouais, ils ont tous raté. J'ai une équipe de boulets, quoi. C'est... Allez, niquez-vous. Putain, le grand pot, là, ça me saoule. J'en ai marre. Allez. Va te faire foutre, c'est bon, quoi. À un moment donné, stop. Oh, le mur, là. Faut le péter. Yes. Light on my feet.
Ah là c'est ouvert, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Gantelet, maître au fusée, attaquer plus 1, d'accord, ok. Walker. Et ça c'est athétisme, ok, Walker. Mince d'armes plus 2. Les enduits, ouais, c'est ça. Huile d'impression. Lingot en bronze, on va le mettre à la vente. Tac. Faut que j'atterris du coup là. Ajouter à la vente. Ajouter à la vente. Du coup j'atterris dehors, je suppose. Bien sûr. Et je suis ouf. D'accord. Et on en a pas appris plus, hein. Il est en haut, en tout cas. Attendez, parce que là, il y a un problème parce que je l'ai vu bouger, en fait. Et ça, c'est très bizarre. Et putain, vous allez où, les connards? C'est par là. C'est pas par là. Je me perds, c'est par ici, voilà. Ah, mon Dieu. Faut monter, en fait. Il est en haut, ce connard, je viens de le voir bouger. C'est quoi ces conneries? Alors, c'est peut-être à elle qu'il faut parler, non? Elsic, bah, elle est là, Elsic. Et pas aidé le Seigneur Gortash à obtenir quelque chose d'infernal par hasard. En ce moment, vous avez déjà trafiqué avec lui. Sommes de vieux collègues, nous étions amants, notre relation était très chaude. Truly? That's. You seek answers? Lord Mammon seeks coin. I will happily mediate. Oh, c'est une pièce à la diaboliste. 1000 pièces d'or, 100 pièces d'or, je vais en tenir en marchandise ordinaire. Moine, la richesse matérielle sont une illusion en vanité. Seule la compassion donne le sens à la vie, donnez-nous un indice. Tu peux utiliser mon bagout de moine ou lancer une pièce diaboliste. You're telling me wealth is an illusion. You want answers, you pay. Just like everyone else. Mammon. Tiens. But I'm afraid you'll need to offer an awful lot more than that. I'll be keeping the coin, though, of course. C'est pas d'échantillon gratos, ça. Je vais rater, hein, comme d'hab. Après, ça c'est plus que rageant, en fait, quoi, quand c'est comme ça. There's no fun in that. So I think not. You stand before me. I break people into the hell. I can reveal to you that I opened a portal for Lord Gortash. Ça, je savais dérober la couronne. Étiez-vous dans le coup? J'ai ouvert un portail pour Seigneur Gortash. D'accord. My word. This is embarrassing. Perhaps I should have explained. You asked what I did for Lord Gortash. You paid the fee and I answered you. Our pact is complete. Would you like to make another transaction? Yo, je suis les affaires du coin. À te faire foutre, c'est bon quoi. Now, now. That would be but a drop in Mammon's oceanic coffers. You are just no adjusting for inflation, the appreciation. Hors de question que je débourse une telle somme, je n'ai pas assez d'argent. Aha. There we are. Then to piecemeal information we return. Traitez-moi comme un cœur ordinaire et montrez-moi ce que vous avez en stock. Putain, quelle connasse. Elle se fout de ma gueule. Elle se fout carrément de ma gueule. Elle vend des trucs en plus là, c'était pas là tout à l'heure ça. Une cape là. C'est un bonus au jet de sauvegarde contre vos sorts ainsi que jet d'attaque, absorption d'éléments. Pas mal pour un match ça. Gante contre sort quoi. Cherche sort pardon. Même sort peut-être choisi deux fois, c'est pas mal ça. Ok. Now you've...
Non, j'ai pas assez de pognon en fait pour faire ça. 5000, ça coûte la peau du cul, quoi. Ça coûte beaucoup trop cher, je peux pas. Parce qu'après, j'ai combien en or, là? J'ai pas 1300 en total, hein. Et si je donne les 5000, là, je vais plus rien avoir, moi. My most perceptive prospective customer, welcome back. Ouais, ta gueule. Je vais te revendre du coup les trucs que j'avais déjà vendus, hein. Alors ces trucs là. J'ai pas trop le choix en même temps, hein. Je dois vider mes couilles. Pas des trucs intéressants à vendre là. En télékinésie, ça c'est important. Ouais, le gif de deuil là, ça je vais le vendre, ouais. Ce bâton là, je le vends. Les autres trucs, ouais, putain. C'est vrai que ce qui marche le mieux, c'est les armures, hein. Les armures, ça donne pas mal, hein. Je le mettrai plus, ça c'est bon. Ça non plus. Astarion, qu'est-ce que tu peux vendre, toi? Ça. Ça. Un homme de la guilde, non. D'accord, non. La plus 2, non, on vend, c'est bon. C'est vrai que j'ai ramassé les épées et tout le merdier avec lui, hein. Je peux pas les vendre, ça. J'ai ramassé des épées longues, des masses lourdes, là, ouais, avec l'ombre cœur. Ouais, la hache, là. Ça dégage. Ça aussi, ça dégage, c'est bon, à un moment donné, un stop. Le bouclier de Kaitrick, ouais, ça dégage. Et c'est qui avait ramassé les épées longues et tout? C'est moi? Je sais plus. Non, c'est pas moi. Bon, tant pis. Allez, c'est bon. Gortash wanted to steal something from Mephistopheles. That something was the inimitable crown of Karsus. Gortash of his House of Hope is furnished with a great deal of treasures. Many related to Karsus. He's rather ambitious. One can only wonder. Then perhaps we should drop by and surprise Raphael. It'd make a nice change. What a fascinating proposition. Very well. If you wish to die in... Of course, such a... Bah, c'est pas possible. Such a task would be tantamount to suicide. Do not even entertain it. Intimidation, réduisez le prix de moitié. Vous êtes déjà trop payé, vous cherchez à m'arnaquer. Correction, dear. Lord Mammon is ripping you off. It's sort of his thing. J'ai pas cette somme sur moi. C'est une sacrée somme, j'ai besoin de temps pour réfléchir. Faites-moi ça gratuitement, bah ouais, bien sûr. Ça marchera, évidemment. Je jure. Let me tell you what I'll be scattered across the hells like a broken snuffbox. The price, Mal. Ah, parce que j'ai vraiment besoin d'avoir 20 000 pour le faire, mais nique ta mère, c'est bon, c'est trop cher. Non, c'est bon. J'hésite même à la buter en fait, quoi. Là, c'est... elle me saoule, quoi. J'hésite même à la buter tellement elle m'a arnaqué, quoi. C'est vraiment. Putain. Ouais, on a plus beaucoup de pognon, hein. Best be on my way. Parce que j'ai rien appris de plus, hein. On trouvera peut-être un autre moyen plus tard. Parce que 20 000 là, ouais, c'est beaucoup trop cher. Hein. Attendez, si je lui reparle là, ça va me dire quoi? C'est que je pense pas à spammer quoi comme un animal. My most perceptive prospective customer. My offer still stands. Correction, dear. Lord Mammon is... Then get out of my sight. On va te faire foutre. Ah, impressionnant, hein. Putain, la vache, aucune race, quoi. Je lui ai tout vendu, pourtant. Bon, soit. Allez.
On va essayer d'aller vers le Casador là, hein. Histoire qu'on rigole un peu là avec Astarion. On se fend de la poire, lol. Allez, go. Peut-être que si je bute le Seigneur Gortash, ouais. Je m'entuberai pas. Ça parle là, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, une ruche. Je vais me faire agresser ou pas si je fouille? Bon. Voilà. Ah, qu'est-ce qu'ils foutent eux? Il a perdu la balle. Bah, elle est là ta balle, cette de nœud. Steal by the light of day in his, but you are not the last. It seems you've won Lady Orin's favor. Join us in this act of slaughter in Baal's name. Une affaire, mais allez-y, faites-vous plaisir. Je refuse de massacrer l'innocent. Then you betray Orin and Baal himself. You... C'est parti. Putain, je m'attendais pas à me faire agresser là, quoi. En fait, c'est cool. C'est lui là-bas? Ok, d'accord, on va essayer de lui faire sa fête. Allez, hop. Quoi, impossible, tu te fous de ma gueule. Sanctuaire, c'est quoi? Sort de zone, d'accord, super, nice, on est content. Et tout le monde veut notre mort, c'est quoi ce bordel, quoi? Bon, l'assassin de merde, là. Voilà, au moins. D'accord, inarrêtable. Aïe. Bah, vraiment, faut esquiver, Astarion, hein. T'aurais pas pu esquiver, connard. D'accord, il tue les civils, c'est génial. Tourdi. Et ça va aller, ouais, putain. T'as combien d'actions, mec? Bon, toi, mon con, là, t'as plus le sanctuaire? Je vais te faire ta fête. Dégage. Ah, c'est vrai que t'étais inarrêtable, là. On va t'étourdir. Échec critique, bah ouais, bien sûr. Oh, tu peux pas esquiver juste une fois, je t'en supplie. Allez, contre-attaque. Bam, dans ta gueule. Raté. Avec vos 5 millions d'attaques, là, c'est génial, hein. Gale, allez. Il va encore s'en prendre plein le fion, lui. Allez, Gale, encore. Lol. Ah non, Ombre-Cœur, tiens, raté. Barrez-vous, vous, hein. Et lui, le garde, il se balade, il en a rien à foutre, quoi, ça me fume. Il a une puissance, quoi, je vous jure. Je vais peut-être soigner Gale, en fait, là. Ouais, soin de groupe, tout le monde a pris cher, en fait, là. Voilà. Allez, toi, là. Et on rate, évidemment. De toute manière, hein. Lol. Pourquoi réussir quand on peut rater? Oh, le pas brumeux, là. Il est inarrêtable aussi, fait chier, hein. Et vous faites chier avec vos trucs, là, hein. Bon, alors, dégage. Sérieux, je l'ai pas tué, mais c'est une blague. Le chien! Qu'est-ce qu'il va faire, le chien? Il va attaquer, sérieux? Vous êtes des malades et barrez-vous, hein. Vous avez pas de vie. Ha! Je vous jure. Ils sont tarés, les civils. Et les gardes, ils s'en battent les couilles, hein. Y'a que les civils qui se font attaquer, les gardes, ils s'en foutent. Ça me trouve le cul.
jure. Allez. Ah, c'est bon, ils rejoignent le combat. C'est pas trop tôt. Dans le bon sens, on est d'accord, hein. Oui, c'est bon. Avec son su, mon gars. Qu'est-ce que tu fais aussi? Mais t'es con, toi, hein. Ah ouais, hein, évidemment, hein. Coup du cuve. Il a quand même esquivé le dernier coup, hein. Putain, tu vas crever, oui? Oh là 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 là, mon dieu. Ouais, on court après l'autre con, là. Ouais, il touchera jamais mon broker, ce con, ça va. Je me fais pas trop de soucis. Mon broker qui est là, ok. Peut-être essayer de le toucher, sans foirer, là. Hein. Il commence à me casser les couilles, là. Ah, j'ai des bonnes chances de touche, là, en fait. Bon, allez, vas-y, tu me fais chier, toi. Allez, dégage. Allez, bouffe. Et il n'en restait plus qu'un. Mais arrêtez d'essayer de le tuer, vous êtes complètement con. Sérieusement? On va sprinter, hein. Y'a pas un monde où je le touche, là, sérieux? C'est réel, putain! Mais quel jeu de merde! Oh là 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 là! Ça me gave. Je peux pas le toucher qu'un truc élémentaire. Flèche d'acide, là, ou de connerie. C'est bon. Allez, hop. Autant vous êtes un peu con, hein. C'est barré. Must be quick. This mind is small, fragile. Listen now. You know us. Not much time left. We learn. We necromancer dead, changeling, and you have a place in my. The elder one is working her like a damn string puppet. What? What happened? What the fuck? Y'en a un qui a réussi à se barrer, fait chier. Hein. Je suis déçu, tant pis. Les enfoirés, quoi. Hein. Pas réussi à tous les sauver, tant pis. Assassin de merde. D'accord, les mecs ils attaquent sans pression, quoi. Qu'est-ce qui se passe là? Putain, elle est morte, ouais. Ouais, Seigneur, elle est morte, quoi. Génial, quoi. Et bah putain, ça promet, hein. Enfin, j'ai pas demandé ça, moi. Hein. Je voulais pas ça. Hein. Juste me balader, moi. Pourrait pas être Casador, bon, on va bientôt y arriver à son palais de merde à lui là. Alors, ratez tous vos jets, comme les merdes que vous êtes, c'est très bien. Par contre, le palais de Casador, je sais pas comment y accéder, faut peut-être que je passe par là, j'en sais rien. Passe quoi là? C'est quoi ce délire? Bon, ça c'est le bug des mecs qui meurent pas là, oui, c'est très bizarre d'ailleurs.
Allez, on sort d'ici du coup. On va par là. J'aimerais bien trouver l'accès pour aller à Casador, quoi. Après, la bouche d'égout, c'est pas où elle mène celle-là. Mais si je crois, si, si, je crois que j'ai déjà vu. Si, si, c'est bon. Ça me dit quelque chose. On va essayer d'aller vers le palais de l'autre con, là, hein. On se reposera avant, bien sûr. Je sens que ça va pas être facile. Mon petit doigt me dit qu'on va pas pouvoir passer, en fait, comme ça. Et putain, comment on y accède, quoi, ce truc de merde? C'est chiant, quoi. Ah, je peux peut-être rentrer là-dedans, non? Ouais, ça doit être ça, merde. J'ai fait de la merde. Non, pas par là. Par là. Par là. Faut monter sur le mur, en fait, c'est ça? Je comprends R. Je comprends R. Ce qu'il faut faire, là. Du coup, je suis revenu là pour les couilles de mon sbi, c'est ça? Moi, je pensais qu'il fallait passer là-dedans, hein. On peut monter, si, c'est bon, ok, d'accord. Bon, bah, nice. Ok, go. On peut carrément aller sur les murs et tout, ouais, d'accord. Bon, bah, soit. Encore des trucs à looter, quoi, hein. On va déjà voir ce qu'il y a là. This is the palace of Cazador Zar. Entry is forbidden. Leave now, citizen. The guard's words are clear, but spoken without thought or intent. Behind her eyes, you see nothing. She must be one of the charmed thralls Astarion mentioned. Inspecte le service de sécurité sur ordre de votre maître. Oh, bien joué. Of course. Enter freely. Nice, ok. J'ai eu la clé. D'accord, donc c'est des... Ok, nice. C'est des marionnettes, quoi. Très bien. Donc c'est ici pour aller sur le palais de Cazador, donc faut passer par ici, ok. Ça confirme ce que je pensais. Donc c'est par là. Rempart du palais Zar, ok, on va y arriver. Cazador du coup, mais bon, avant ça, je pense qu'on va faire un repos long, parce que sinon ça va vraiment être la giga sauce, hein. On va crever, quoi. Allez, on va faire un repos long. Au campement, hein. Là, je pense que ça va être compliqué, hein. Allez. On se repose. Sauvegarde quand même avant, le repos. Allez, repos. Oui. Est-ce que, du coup, j'ai des nouveaux dialogues, Yemna? Non, non, elle me dit toujours la même connerie, ok. Elle est revenue, chante nuit. Plus personne n'utilisera, quoi. Bon, bah, go, hein, dodo, hein. Personne veut me parler, donc, hein. Et pourquoi t'en sélectionnes deux, t'es con, quoi. Ouais, repos total, voilà, c'est bien. Ah, attention, qu'est-ce qui se passe? Sensations all at once. Flaming desire and icy despair. The strength of Isora, ouais, c'est vrai qu'elle voulait Ken. The nine hells of Beator. The ultimate torment, some souls would say. Those souls lack imagination. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui m'arrive? Le maximum de puissantes sensations provenant du cercle. I'm going to show you the true wages of your sin. Wow. Pure lust
courses through your veins and plucks at your flesh. You don't know what you want, only that you want it. You feel it, don't you? Primal hunger, irrepressible decadence. Forget the heavens. This is paradise. Let me show you. Je suis prêt, faites-moi découvrir les plaisirs des enfers. Je ne veux rien de tout cela. Poussez un soupir et préparez-vous au pire. Don't you trust me? An inferno engulfs you. Your lust blazes hot. Do you feel it? Avernus. Where hell's legions march, screaming their rage. Where the Styx collects the blood of the fallen. Reach out. Have a taste. Faites votre soif à même le fleuve de sang et vous détectant du goût de ses flots. Y goûter, goûter, c'est révoltant hors de ma vue, Misora. What a laugh. Non, non, non. To deprive yourself of the hell's lavish vices. C'est mort. I'll just have to imagine the pup's horrified look if we'd done it. Hmm. Au revoir, Misora. Ta-ta for now. J'aurais pu la ken, mais je l'ai pas fait, hein. Oui, il l'a apprécié apparemment. Parce qu'en plus, ça veut dire que t'allais le dire à tout le monde, quoi. Putain. Tainted by the faint whiff of sulfur. You may have rejected. Ok. Ça m'a fait quitter le campement alors que je voulais pas en fait. Oui. Eh putain, arrêtez. Je fais que de la merde. Je peux parler à Will ou pas là? Non. En tout cas, Will a apprécié que je m'accouple pas avec Misora, lol. Et putain, pourquoi j'ai pris mon broker? Catch a break. Misora? Come for a chat? Non. Will? This crown seems too dangerous even for Miss. Non, c'est bon. Ok, donc on en est rendu au niveau de la vidéo là. Ouais, 38 minutes. Bah écoutez, vous savez quoi, je vais faire une vidéo un peu plus courte parce que généralement je fais des vidéos très longues là sur Baldur's Gate. Donc la prochaine fois, on essaiera de voir pour le palais de Cazador, hein, du coup. Avec la quête d'Astarion, donc ne ratez pas ça, hein, bien sûr. Et nous, et moi, je fais des bisous à la prochaine. Avec des bisous, portez-vous bien, salutations.